photo. J'avoue, ça fait flipper de ouf, mais c'est un petit peu le thème. Qu'est-ce qu'on va faire? On était invité par Capcom à la soirée de lancement Resident Evil. On a rendez-vous dans un manoir hanté, hein, si je dis pas de bêtises. Il risque d'avoir des petites activités qui font peur, etc. Et puis voilà. On peut mettre du son lourd. Bon les gars, comme d'habitude, hein, on arrive en retard à l'événement. Et là, il y a une putain de fucking queue. Il caille sa race, il fait 0 degré. Je suis en t-shirt en dessous de ma veste. En vrai, je vais pas vous le cacher, je sais même pas ce que je fous là. Moi, j'ai jamais joué à Resident Evil. Moi, je suis venu pour les petits fours. Tu crois qu'il y aura des petits fours à Derby? Moi, j'espère, sinon c'est pas une bonne soirée. Ouais, sinon, ouais. Et du champagne peut-être, hein. Qui sait? Attends, il fait sombre. Il fait sombre, c'est le moment d'utiliser la petite future. Wow, ça beau, c'est regardez. Lourd ça. Mec, on va être dedans, on va se dessus comme mec, ça. Mec, c'est lourd de ouf. Il va y avoir des zombies, hein, je te le dis. Tu crois qu'il y aura vraiment des zombies, gros? Cher, tu penses pas? Mais c'est un truc de dingue. Les gars, il y a un mec chelou. Il a du sang, lui. Vous savez, on va manger quoi, nous? Non, t'es parti. On va manger quoi? Du journaliste. Bon, les gars, ça s'annonce plutôt bien, en vrai. On va se taper des bonnes barres. Ça va être un petit peu malaisant, mais... C'est drôle. Je me suis fait agresser par un mec, j'étais pas prêt. J'ai pas eu le temps de filmer, j'avais pas ma caméra. Regardez-moi ça, les gars. Le dragon juste derrière. Il est pas surstylé. C'est smoke, les gars. Non, non, faut pas que je le dise. Mec, ça fait trop de... Ah, c'est mouillé de ouf. C'est bon, vous êtes prêts? Ça fait bader de ouf. Eh, y a des gens trop chelous ici, j'ai juré. Y a des gens, ils font trop peur. C'est des insectes. On va goûter des insectes. C'est des petites larves. Ouais, c'est des petites larves. C'est bon. Ouais, franchement, ça va. Ça a le goût de curry un peu. Ou d'épices. Ça a le goût d'herbe de Provence. Ouais, je te jure, je te goûter. Vas-y, goûte-moi ça, Sakor. Goûte-moi ça. Mec, toi, tu connais ça, non? Je connais, c'est pas mal. Genre, ça me rappelle le bled. Les gars, regardez-moi ça. C'est quoi? C'est une lentière, ça. Ah. Pas bonne mine, mon coco. On fait la petite miniature, vite fait? Oh, les gars, ça va faire du clic, ça. Je crois que ça va être la seule à plus mal. Ah, ils ont tous des lentilles blanches, oui, ça fait full badé. Alors les gars, on a trouvé l'espace petit four, hein, c'est ce qu'on ça, cherchait. C'est très très important. C'est ce qu'on cherchait. C'est hein. Parce qu'il y a, ouais, y a l'espace petit four. Attends, mais c'est quoi qu'ils mangent là? J'ai vu un truc chelou là. Oh non, il y a des yeux là-bas les gars. Passe-moi un œil. Regardez. C'est gluant de ouf. Oh! C'est bon? Oh, il y a du jus dedans. Il y a du jus dedans en plus. Ah ouais. Non, après, en vrai, c'est bon. C'est un bonbon, quoi. En vrai, il est vraiment bon. Ça a pas l'air mauvais. T'es pas confiant, Jacques Orle. C'est assez. Et ça, c'est quoi? Vas-y, on va jouer le jeu. C'est ça, t'es sûr? Ouais, vas-y, vas-y. Tu veux c'est pas du sucré. Ça va, ça va. Attendez. C'est de la viande froide chelou. Ah, oh ah, c'est pas bon, hein. Oh, t'es pas de merde. Je vais sauter, hein. C'est plus la texture que le goût qui est bizarre en fait. Oh. Attends, excuse-moi. Bien dans l'eau pour cacher. Alors. Oui, j'arrive pas à l'avaler. Oh, j'arrive pas à l'avaler. Ah, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les gars, on a trouvé les petits fours. On va goûter un truc chelou. Ça va? Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Et tout ce que je bouffe ici, c'est dégueu. C'est du sang, non? Moi, je veux bien du vin. Ouais. On a trouvé de la vignesse, les gars. Eh putain, la vignesse, regarde. On va tourner un plateau, mais il y a beaucoup trop de monde là. Est-ce que vous pouvez vous mettre tous sous les arches en respectant votre file d'attente que vous avez à peu près? 3 minutes. C'est juste 5 minutes. Ah oui, il y a Marcus, les gars. Et là, ce soir, à la soirée de lancement, j'ai une amie à vous présenter. Regardez. Oh putain. J'arrive les gars, j'arrive. Let's go enfant. Oh ça fait peur. Alors derrière cette porte, ça se passait, je suis trop chelou. Excusez-moi. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit les gars.
Alors, c'est pas du tout un train fantôme, c'est un mélange entre un spectacle et un musée et encore une attraction. Vous allez déambuler à travers 25 salles et c'est des acteurs que vous allez retrouver tout le long. L'idée du manoir aussi, c'était vraiment de ramener notre type de divertissement à Paris. Ce n'est pas un spectacle où vous allez être assis, ce n'est pas une attraction où vous allez devoir sortir en dehors de Paris. Tout se trouve au cœur de Paris et vous allez avoir des grosses sensations fortes, même si c'est vous qui marchez à travers notre énorme labyrinthe. On n'a pas le droit de filmer, mais c'était un truc de ouf, c'était genre un parcours. C'était quoi? C'était incroyable, c'était méga fun. Mal. C'était méga fun. Mais gros, j'ai failli mourir deux fois. Quoi, crois-moi que moi, je me suis chié dessus. Moi, je me suis caché derrière. Gros, j'étais en premier dans le noir, tu sais. Au début, t'es là. Bon, allez, je vais rentrer premier dans la pièce. Allez, au bout de la deuxième pièce. Il y a des gens, ils viennent sur toi. J'ai jamais rentré une seule fois en premier dans la pièce. Gros, il y a des gens, ils viennent sur toi, ils font. Tu te chies dessus. T'es là, tu sais plus quoi. Non, mais moi, je me suis hyper malaisant. Et je me suis servi des gens comme bouclier. Genre en mode vas-y. Ouais, moi, il y a un moment, je suis allé. Regardez, on est en tronçonneuse, les gars, je vois pas. Il y avait même une demoiselle. Et la demoiselle, croyez-moi que je l'ai vendue. Genre, les gars, il y a un moment. Il y a un moment, il y avait une salle toute noire. Là, je vous parle, j'ai encore le cœur qui bat fort. Il y avait une salle toute noire. Et genre, personne n'osait passer devant. Du coup, je suis passé devant, je mettais ma main comme ça. Et j'ai touché une tête d'un gars. Et en fait, c'était la tête de Drijoka. Du coup, je me suis chié dessus, j'ai lancé un cri, du coup, tout le monde a crié. Oh, c'était un truc de ouf. Là, c'est une expérience de ouf, hein. C'est une expérience de ouf. C'est, ouais, le manoir, les gars. Ah, si vous êtes sur Paris, que vous avez l'occasion de venir, faut venir, c'est trop bien. Ça s'appelle comment déjà? Le truc spécial, le manoir de Paris. Non, mais ça s'appelle comment ce style de parcours? Je sais pas, c'est une maison hantée. Hein. Maison hantée? Ouais, je pense que c'est une maison hantée. Une maison hantée avec des acteurs vraiment qui jouent bien le truc parce que ils te font chier dessus. Et ça dure combien de temps? Ça dure 30 minutes? Mec, je suis sûr que je retire mon t-shirt, j'ai des auréoles de ouf. Le mec arrive sur ses échasses. Oui, là, c'est quand je le vois arriver. Vraiment, je me suis agrippé un peu genre à tout le monde, tu vois, je t'ai attrapé toi, je t'ai perdu. J'ai attrapé un mannequin. Du coup, j'en non. D'accord, quand il était tout seul dans le placard aussi ou la cabine d'essayage. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Ouais, pareil, moi en gros j'étais dans la cabine d'essayage avec la demoiselle. Et genre on était en mode on fait quoi? On était bloqué. On savait pas. C'est chaud. Hein. Mais vous avez eu quoi vous quand vous étiez en train de. En fait, on a poussé, on était là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on vous a entendu crier. Ouais, non, mais on a fait exprès de crier. On s'est dit, c'était amusant. Franchement, c'était un truc de ouf, les gars. Je le conseille à faire Halloween. Vraiment, Halloween, ça doit être avec sa meuf. Et comme ça, vous verrez, c'est qui le plus viril. Souvent, les meufs, elles assument plus en fait. Nous, on n'a pas de couilles. Vu que nous sommes survivants, on va avoir des goodies. Je sais pas c'est quoi vraiment. Mais... C'est pas non plus. Non, je peux pas te montrer ce que j'ai eu, gros, j'ai honte. T'as eu juste une boîte. Moi, j'ai eu le jeu. Hein. Bah, j'ai eu le jeu, tu vois. Genre, y a rien dedans, tu vois. Ils m'ont trollé. Je me suis fait troller de ouf. En fait, ils offrent juste une boîte collector, mais je vais pas vous le cacher, hein. Capcom, je vous aime bien parce que c'était vraiment cool, hein. Mais je m'en bats les couilles de la boîte. Hein.